Léo, qu'est-ce qui se... Des racines et des aides. Ah oui, c'est vrai. J'ai mis l'ancienne version de cette BMW Z4. Savez-vous pourquoi? Car elle est petite. Et de une, elle est rapide. De deux, elle est petite. Et ensuite, elle a un design à couper le souffle. Ce véhicule est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Elle peut rivaliser avec des petits véhicules de sa taille. Bon, je ne sais pas qui pourrait être son rival. Mais j'ai hâte de voir qui pourrait la combattre. Bon, débrider la puissance d'une sportive n'est pas le seul moyen d'améliorer sa prouesse chronométrique. Bon, si vous voyez cette allure, ce nouveau design, mon super BMW, vous allez vous dire, mais ce véhicule n'est plus une W74 ordinaire. Et oui, sa face avant est d'une digne lignée de BMW. On reconnaît sa face avant nerveuse. On la reconnaît grâce à sa taille aussi. Et aussi disponible toujours en cabriolet. Ça c'est cool ça les cabriolets. C'est le seul véhicule que j'ai vu qui était petite, ayant deux places, et qui était rapide. À moins qu'il y ait un autre rival, mais ça m'étonnerait. Dans le cas d'un roadster comme le Z4 de BMW, le choix du couvre chef revêt une importance encore plus grande. La preuve, cette troisième génération munie d'une capote souple ridiculise sa devancière à toit rigide escamotable en matière de performance. Le décapotage ne nécessite plus que 10 petites secondes, alors qu'il en réclamait le double précédent. Ah bon? Vous 10 petites secondes pour décapoter ce petit bijou de technologie? Eh ben, c'est beaucoup plus rapide qu'auparavant, d'après ce que je vois. La manœuvre s'accomplit en prime jusqu'à 50 km à l'heure. En gros, vous roulez à 50 km à l'heure. Et là, elle peut se décapoter comme ça. Ça, c'est cool, quoi. Plus sérieusement, ce retour à la toile n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il s'accompagne plus généralement d'un supplément de sportivité. Le style plus tranchant, voire clivant. Mais la puce à l'oreille en s'éloignant de la rondeur du précédent opus. En fait, la ancienne génération n'a rien à voir avec la nouvelle. On dirait que l'ancienne a eu un nouveau restylage. Mais aussi, il y avait un autre véhicule conçu par BMW. Son nom, c'est la Z3. On ne sait pas où est-elle en ce moment même. On ne sait même pas s'ils vont même recréer une nouvelle version de ce petit bijou. Car la Z3 était en même temps aussi qu'avec la Z4, mais il a dû se passer quelque chose pour qu'il ne construise plus la Z3. Mais bon, ce n'est point grave. Tant que la Z4 existe toujours, ce sera plus cool de la voir encore et encore. A l'inverse, le gabarit suggère un certain laisser-aller. La longueur de cette stricte de place s'étire de plus de 8 cm. Sa largeur de plus de 7 cm. Pire, le poids, lui, stagne aux alentours des 1600 kg. Malgré l'adoption d'une nouvelle structure 60 kg plus légère, sur laquelle s'appuiera également le coupé Supra de Toyota. Oh, le bon vieux Toyota Supra. Digne de ce nom, c'était le véhicule le plus rapide à l'époque, et qui restera toujours rapide à l'époque. Ils se sont dit, on va garder le Toyota Supra comme un signe. Ben, ce sera la mythique. Ils ont gardé la Supra comme elle est. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas fait de nouveau design. Peut-être qu'un jour, ils vont faire un nouveau design pour le Supra. Mais je me demande bien si ça servirait à quelque chose de faire.
en gros. Et là, les lignes à peu près de du Toyota Supra. Par contre, la face avant me fait penser au Mercedes-Benz AMG ou un Jaguar. Je passe juste de sa face avant, plus particulièrement autour de ses phares avant. Ça fait vraiment penser à une Mercedes AMG. Je sais pas pourquoi, et en même temps à une Jaguar XF sûrement. Bon, pas grave. Mais à la réalité des chiffres s'oppose celle plus enthousiasmante des sensations éprouvées au volant, à se faire décoiffer, au propre comme au figuré, sur la sublime route côtière de Setúbal, non loin de Lisbonne. Difficile d'accorder un quelconque crédit à ces valeurs de mauvaise augure. Quand même, je vois que ce véhicule a l'air d'être un bon. Elle peut être rapide, ayant en même temps une face d'une BM et d'une Mercedes. Ils sont allés beaucoup plus loin. On dirait même une Jaguar. On se demande bien comment ils ont fait pour essayer de fusionner une Jaguar à une Mercedes-Benz AMG pour qu'elle donne cette allure de BMW Z4. On aurait dit vraiment une toute autre Z4. Elle est dotée de 340 chevaux. Il est 500 Nm de couple disponible de 1600 tours par minute. S'avère en revanche plus que vraisemblable dans la pratique. Voire sous-évalué par la fiche technique de cette version M40i. Costaud, le mélodieux 6 cylindres en ligne turbo qui fait également les beaux jours de la M140i. Ah! La série M. Je parle bien sûr, sûrement il parle de la M, la première M. Sûrement la M. Bon. Entre autres, s'envole vers le rupteur, campé à 7000 tours par minute, avec un entrain réjouissant et une poigne crissante. Quelle que soit l'allure ou le rapport sélectionné par la vive boîte automatique à 8 rapports, d'origine ZF. Le 3.0 semble déployer sa force sans effort. L'égrènement des notes à l'échappement, des plus graves aux plus aigus, rajoute au spectaculaire de l'accélération. J'imagine que s'ils ont conçu ce véhicule, ce n'est pas pour qu'elle soit luxueuse et la conduire. C'est surtout pour qu'elle apporte un petit peu de vitesse, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de vitesse pour la ligne droite. J'imagine bien ce qui pourrait se passer si ce véhicule pourrait être sur une piste de course contre ses rivales. C'est quand même bizarre qu'elle soit la seule voiture à être... Comment ça? Mais oui, j'avais complètement zappé. Il y a une autre qui pourrait la combattre. Mais oui, c'est une Mercedes. Son nom? Elle a même un... Comment ça? Depuis quand elle a un concurrent nommé le Porsche 718 Boxster? Je sais qu'elle est petite, mais quand même... plus petite que celle-ci. Et la Mercedes SLC 43 AMG. Peut-être qu'ils sont vraiment ses concurrents, mais moi, j'aurais dit qu'il y aurait un autre type de Mercedes. Je me rappelle, elle était petite aussi. Elle était rapide aussi. Et je pense que c'est plutôt lui son rival. Mais bon. Ce n'est pas grave. Les amateurs de sessions acoustiques se passeraient néanmoins de leur amplification par le biais de la Sono en mode sport et sport plus. Bon, sport, c'est bon. Mais si tu ajoutes le sport plus, c'est que ce véhicule doit être un monstre. Charismatique, la mécanique n'est pourtant pas
ce qui distingue le plus ce Z4. Par ailleurs, doté d'un 4 cylindres sur le capot des versions 20i et 30i de son prédécesseur, les progrès consentis par le châssis s'avèrent bien plus flagrants. En gros, BMW Z4 M20i, c'est sa première génération, quoi. 30i, la seconde génération, du coup ils se sont dit 40i, après 50, 60, 70, 80, 90. Les progrès consentis par le châssis s'avèrent bien plus flagrants. À l'occasion, trahi par quelques percussions, l'amortissement dissimulé en série retrouve une plus grande rigueur. La suspension freine mieux les mouvements de caisse sans pour autant s'affoler et se mettre à trépider lorsque le revêtement se dégrade. Avec le concours d'une direction à des multiplications variables présente sur toute la gamme, l'empattement raccourci de 26 mm accentue la réactivité au changement de cap. Du coup, ils ont conçu ce véhicule pour qu'elle soit rapide, mais pas que. Ce que je me disais bien. Ce mini roadster. Il ne pourrait même pas rivaliser contre une Lamborghini alors. C'est bien dommage. Mais bon, au moins on peut rivaliser contre une autre allemande nommée Porsche. Quelle coïncidence! Difficile à prendre en défaut, le train avance, s'accommode de l'augmentation du rythme sans élargir la trajectoire. L'arrière de cette pure propulsion, munie d'un autobloquant électronique, l'aide éventuellement à tourner en amorçant la dérive. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est tester tous ces véhicules, dire qu'ils disent que ce sont des véhicules de ville. Donc moi j'aurais dit que ce serait plutôt un véhicule de pour les courses. J'espère qu'il y aurait des personnes qui l'utilisent pour faire des courses. Hein. Parce que quand même, vu sa technologie assistée à l'intérieur, vu ses suspensions, elle devrait être cool en course. Mais pas n'importe quel type de course. Plutôt des courses de rue. Car si c'est sur des courses sur les terrains, avec la boue et tout, on ne sait même pas si elle peut y être. L'arrière de cette pure propulsion munie. Ah oui, je viens de le dire. Complice lors de ce genre de figure de style, le couple 6 cylindres permet de se saisir de la moindre opportunité pour chahuter. Et large Michelin pilote super sport à la remise des gaz. Ok, bon, Michelin aussi s'est emmêlé dans cette histoire. Et en plus, Michelin pilote super sport. MPSS. Quel drôle de nom, de code. La déconnexion partielle de l'ESP offrant un parfait compromis entre laxisme et sécurité s'initie à la glisse devient vite un jeu. Même les freins régulièrement critiques sur les sportives de la marque résistent à une utilisation sans ménagement. En tout cas, sur route ouverte. Cela dit, plus sportive et garant d'un esprit plus authentique, ce Z ne se destine pas spécialement au circuit. Ha! Ha! Mais incite davantage aux longues balades. Le niveau de confort généralement profite notamment sur cette déclinaison M40i, d'une dotation sans lacune. Ha! Je me disais bien qu'elle n'était pas faite pour la route. Elle est faite aussi pour le circuit, vu ce petit boride. Elle pourrait même faire une course contre des Porsche 718 Boxster, Mercedes, CLC, SLC, 43 AMG. Le recours aux options reste pour une fois facultatif. Et c'est assez rare chez BMW pour être souligné. Cette apparente générosité se perd sur le prix qui s'élève au-delà des 67 000 euros. J'ai passé celui d'une Porsche 718 Boxster de base d'environ 6 000 euros. Oui, mais à ce tarif, la rivale de Stuttgart, certes plus sportive encore, compte 2 cylindres de moins.
J'imagine. Regardez cet écran. Tactile. Ça me fait vraiment penser à... Ah ouais. Ça me fait penser à... un grand GPS géant. Il n'y a qu'avant le compteur était digital. Maintenant c'est tout électronique. Est-ce qu'elle serait dotée d'un pilotage automatique? Ce serait bien. Par exemple, quand on dort, sans se rendre compte, elle active le mode autopilotage. Ce serait plutôt marrant à la voir conduire en normal, comme la mythique Knight Rider. Vous savez, ce véhicule rapide. On parle pas de la 3000, mais on parle plutôt de la Pontiac Gensam Firebird, celle des années 80, qui, elle, a été conçue avec un pilotage automatique, un vrai pilotage automatique. On va dire que c'est la première voiture dotée d'un pilotage automatique. Et ça, on peut pas le nier. Peut-être que la DeLorean de Retour vers le futur aussi sera dotée d'un pilotage automatique, mais bon, on ne sait pas trop. Hein. On l'a vu là avec le Doc Brown, avec une... avec la manette là. Vous voyez, comme s'il jouait à un jeu vidéo, là, il la contrôle comme ça, comme si de rien n'était, alors qu'on lui a rien demandé. Mais bon. Ce que je peux dire sur ce véhicule, ce n'est plus un Zen 4 authentique. On voit l'effort qu'ils ont fait, car elle ressemble à la fois à une Mercedes AMG GT, fusionnée à un Jaguar, et aussi à sa grande sœur, M6. Même si je suis pas sûr que ce soit sœur, mais bon. Je parle plutôt de la face avant. On dirait vraiment une M6 à la face avant. À l'arrière, ça n'a rien à voir. Hein. À l'arrière, c'est autre chose. Mais ça me fait penser à un autre véhicule. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que ce véhicule est cool. Apparemment, allons voir les données du constructeur. Acheter la M40i Performance. La gamme proposait des sens de 197 à 340 chevaux. De 197 chevaux, c'est sûrement celui qui coûte 48 650. Et celui de 340, celui est de 77 100 euros. C'est cher. Ah bon. Moi, je pourrais pas conduire ce type de véhicule, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je préférerais, c'est conduire un véhicule rapide. Mais pas quel. Un véhicule que je connais très bien. Le moteur avant longitudinal. Longitudinal. Moi, je sais même pas comment cela se prononce. Mais bon. 6 cylindres en ligne turbo. Injection indirecte. Distribution élevée variable des soupapes. 24 soupapes. Stop and start, 2998 cm3 de distribution par chaîne. Ça c'est pour le moteur. La transmission, propulsion automatique 8 rapports. La puissance en chevaux à tour par minute de 340 à 5000. Le couple en newton mètre par minute de 500 à 1600. Le poids est de 1965. Elle est lourde, hein. Du coup, qu'elle serait beaucoup plus légère. Peut-être qu'elle aurait fait 1500 ou 1400, mais là, 1900, c'est presque 2000 kilos quand même hein, pour ce petit Z4. La longueur, la largeur et la hauteur. 4,32 m. De longueur fois 1,86 m de largeur et 1,30 m de hauteur, et ben ils sont pas allés de main morte, comme on dit. Pas de main maître. C'est sûrement le. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais bon. 2,47 m. Le réservoir est de 52 litres. La vitesse maxi. 250 limité 250
250. Attends. 0 à 100 km par heure. En seconde. 4 km. 4 secondes 6. Ah. C'est normal, vu ça. S'ils auraient plus concentré sur le design et aussi diminué un petit peu ses lignes et tout, s'ils auraient diminué plus son poids, elle aurait pu faire 3 secondes 5 environ. Ne ne a r a v a r 255 sur 40 R18. Je ne sais pas, ce sont des pneus de série. Au pneu de l'essai AV tire arrière, avant arrière 255 40 R19 275 40 R19 Michelin Pilote Super Sport. Vivre largeur coude avant arrière en centimètres 148. Coffre à 2 280 litres. C'est suffisant. Volant chauffant 200 euros. Régulateur adaptatif 800 euros. Affichage tête haute 1700 euros. Bon. Ça ne sert à rien tout ça, mais bon. Les principaux concurrents sont le Porsche 718 Boxster à partir de 61 340 euros et le Mercedes SLC 43 AMG à partir de 66 350 euros. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce véhicule de plus? C'est un véhicule pas très basique, elle a dû évoluer dans le temps. Vu sa nouvelle ligne avant et arrière, vu son toit qui est décapotable. Et moi je dis, ce véhicule peut vraiment être beaucoup plus avancé. Pour lequel, est-ce que peut-être qu'à 250 km à l'heure maximum, on devrait aller à 310 km à l'heure pour son maximum. Du coup, on devrait l'ajouter plus de chevaux, essayer de diminuer son poids, essayer de d'ajuster mieux ses pneus, et le tour est joué. Moi, j'espère que ce véhicule pourra faire de grands efforts. J'espère que BMW pourra faire de grands efforts pour continuer à faire la suite de la Z4 et le faire évoluer ainsi. Essayons aussi de mettre des boîtes manuelles, hein, parce que c'est bon, c'est pas parce que ne mettre que des boîtes automatiques, il faut se contenter de ça. Moi, je dis que les Américains ont bien fait. Comme on dit, vous allez voir. Car j'ai remarqué que la mythique Mustang, jusqu'à maintenant, vous savez de quelle je parle, de toute la Mustang même, elle est qu'en manuel. Ça donne du plaisir à conduire une voiture manuelle. Parce qu'automatique, ok, mais le pilotage automatique, c'est cool, mais bon. Et je me demande bien comment ils ont fait pour faire la Knight Industries 3000 en Mustang Shelby GT500. Parce que je comprends pas du tout le rapport depuis quand cette Mustang, elle est à la fois manuelle et automatique. Ça serait. Je vais tenter ça. Et aussi, la K2000. La mythique, qui est une Pontiac Trans Am Firebird, elle est super cool. Et j'espère que cette mythique véhicule, je pourrai vous la présenter réellement. Si un jour je l'ai, bien sûr. J'espère l'avoir, ce véhicule. Car moi, j'ai envie de l'avoir, les deux. La Knight Industries 2000 et la Knight Industries 3000. Car ce serait vraiment marrant de conduire ces deux véhicules différemment. Et pour la vide, bien pour la ville aussi, mais bon, je ne l'utiliserai pas trop. Ce serait plus pour les road trips, aller dans n'importe quelle ville en conduisant des mythiques véhicules et ensuite se reposer et tout. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à liker, à partager et à faire tout ce que tout le monde demande, comme d'habitude, mais bon. J'incite personne à regarder toutes mes vidéos, mais bon, bref. Comment dire, depuis quelques temps, j'ai remarqué que il y a eu un petit souci avec GTA V.
Donc je vais tenter de régler ce souci pour continuer mes machines humaines. Alors patientez un peu, encore et encore, jusqu'à ce que je résous ce problème. S'il le faut, je vais réinitialiser mon PC, comme ça il n'y aura aucun souci. Et il faudra aussi que je vous le présente un jour, un PC que j'ai. Car vous ne savez pas du tout ce que j'ai comme PC. Je vous donne une liste, c'est un domaine par HP. Et tout ce que je peux vous dire de plus. Donc, à la prochaine mes amis. Hasta luego a todos.